Dossier Mbappé, c'est quand même un dossier qui est d'actualité. Qui est d'actualité dans le sens que Mbappé, c'est top 4 plus gros superstar qui gagne dans le monde dans le football. Même le Cristiano Ronaldo allait en Arabie Saoudite, Messi allait en MLS là. Ils juste quitté un continent, mais compte de popularité, ils sont toujours populaires. Ça veut dire c'est méga, méga crack au niveau marketing, etc., sponsor, etc. Et toujours fait des centaines de millions de dollars par année. Neymar, au mettant de toute bagaille, Neymar était un véritable superstar. Je ne parle pas de l'aspect terrain, non, je parle en dehors de terrain. Peut-être ça me dit Mbappé, soit prend. En termes du poids marketing, aura, etc. Mbappé a un gros impact dans le monde. Je me dis, je dis là, c'est top 4. Je regarde le poids marketing, etc. Et bien, dossier Mbappé, c'est quand même un dossier qui est à la mode. À la mode dans le sens que Roland, Paris Saint-Germain, lui-même, lui, clair sous position. Que Mbappé écarté de tournée asiatique là. La presse même fait mention que club en Arabie Saoudite d'Al Hilal voulait prendre Mbappé. Il pourrait payer 300 millions d'euros avec un salaire de 700 millions d'euros pour Mbappé pour un an. Et selon des informations qui viennent joindre nous, gagner un dirigeant Arabie Saoudite qui allait en Espagne. Discuter avec Real Madrid parce que Paris Saint-Germain croit que Mbappé lui-même en 2024 il a un accord verbal avec Pérez, il va aller dans Real Madrid en 2024. Club là lui-même livré l'a fait pression sur Jolan pour Jolan lui-même signer un nouveau contrat. Il y a plusieurs démarches qui fait Mbappé en soi clair sous position que le pape signe un nouveau contrat. Et la presse fait mention que je n'ai pas aucun problème pour le faire toute saison en sous-banc dans Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de nouveau contrat. Il y a des informations qui font croire que il y a une partie dans le clan Mbappé qui voulait jouer à faire comme en Arabie Saoudite. Mais le dernier mois, c'est dans mes joueurs liés. Parce que, mon bail est très clair, ou maintenant de Paris Saint-Germain, t'as bien aimé Mbappé aller dans l'autre équipe ou bien t'as préféré Mbappé signer dans l'autre équipe que Real Madrid. Mais dernier mois, c'est dans mes joueurs liés parce que c'est un accord tripartite qui est loué. Il y a un club qui a négocié avec club là pour joueur là, qui c'est propriété club là. Et il y a un joueur lui-même qui a négocié avec club qui veut prendre là. C'est tous les deux, trois parties qui lui chita d'accord pour moi aller. Donc, si deux parties sont d'accord et moi pas d'accord, certainement pas gagné aller. Et moi-même, ça qui fait moi minimiser cette histoire de move Arabie Saoudite Qatar, c'est parce que deux pays ça une pas marché collé à l'autre. Si Qatar vend Mbappé à Arabie Saoudite, sur le plan géopolitique, sur le plan sociétal, sur le plan diplomatique, Qatar a d'accord que le vaincu. Qatar a d'accord que l'Arabie Saoudite vainqueur. Qatar a d'accord que dans la hiérarchie, monsieur Golfio, il prend une calotte dans l'Arabie Saoudite. Pas oublier que Qatar devant l'Arabie Saoudite sous map là. Dans ça qui a rapport avec sport, yo quand même, sur le plan sportif, sur le plan football, yo gagne un club que non pas jamais pas cité chaque année, en bien ou en mal, Paris Saint-Germain. Deux, yo organisé Coupe du Monde là, côté que Coupe du Monde là, c'est pour la première fois aller dans le golf là. Trois, avec Qatar Airways, qui c'est ça le représentant, qui c'est quatrième plus grande ligne aérienne qui gagne au monde, et bien certainement, bon plus value fait avec investissement fait en sport.
Et nous parler de Paris Saint-Germain, pendant nous parler de quatre méga superstars, dans ça qui vient avoir droit image, etc. Yo quand même pendant 2 ans, t'as eu 3 qui étaient dans mes yo, Messi, Neymar et puis Mbappé. Messi qui quittait, Kounye là, ou gen Neymar qui l'a toujours, Neymar c'est Qatar, ou gen Mbappé Qatar, on a pour ta vin jouen, véritable image Paris Saint-Germain, hein? Pour Qatar, t'a quitté aller en Arabie Saoudite. Mais moi plus quoi son pression t'a fait dans ka Mbappé ya, pour jouer dans le même li signé, dans Paris Saint-Germain. Parce que moi ouais très mal, pour Mbappé aller en Arabie Saoudite, pour Qatar t'a fait deal avec Arabie Saoudite dans ka Mbappé ya, c'est d'après un gros coup de massue, politiquement, diplomatiquement, sur le plan stratégie, c'est d'après un coup de massue, parce que bon bagay qui très clair, moi j'ai un bagay qui simple. Moi-même, je ne sais pas qui positionne et vis-à-vis de moi. L'homme dit que je ne sais pas qui positionne vis-à-vis de moi. Donc, comment nous même, mais moi-même, moi, nous sommes grands dans nos yeux, pas moi. Nous toujours fait des analyses et des réflexions très poussées. Dans le cas Messi, je ne sais pas que Messi a prêté en Europe que Ali en Arabie Saoudite. Je pense que MLS là, de plus quoi que Messi a pour retourner en Europe, a pour retourner dans Barcelone. Pourquoi que ça m'pas totalement convaincu que Messi pourrait aller en Arabie Saoudite, même le certainement Arabie Saoudite a bail plus comme il y a Gaston Edoul qui est journaliste qui travaille pour TYC Sports, t'es fait mention plusieurs milliards de dollars que Messi lui-même t'a fait en dans Arabie Saoudite. Est-ce que c'est vérité? M'pas connais, mais c'est lui-même qui révèle l'information et son monde qui est très proche, sélection argentine très proche. Lionel Messi, la parle de Gaston Edoul, qui a travaillé pour TYC Sports. Ça ne fait pas totalement convaincu que Messi a fait choix à Arabie Saoudite. Soit aller en Arabie Saoudite, ou quand même légitimer Arabie Saoudite. Politiquement, aspect sociétal et aspect sportif, là, ou légitimer. Bien que Arabie Saoudite décliné pour lui et organiser Coupe du Monde là, ça veut dire décliner candidature pour 2030. Mais pas oublier, Messi, c'est un monde qui a mené campagne pour Argentine organiser Coupe du Monde 2030. Argentine, candidat pour organiser Coupe du Monde 2030 là. Et pas oublier, t'es un match Uruguay-Argentine, Messi, t'es un Maro 20, Suarez, t'es un Maro 30, qui collé ensemble, qui t'es fait 2030. Pour fêter centenaire Coupe du Monde là. Argentine avec Uruguay, mélangé avec Chili, Paraguay, voulait mettre tête ensemble pour organiser la Coupe du Monde. Même là, moi-même, personnellement, je n'ai pas trop nécessité Paraguay, Chili, je n'ai plus sur Argentine, parce que deux équipes sont en finale de la Coupe du Monde, Uruguay organise la Coupe du Monde, et 100 ans après, c'est eux-mêmes qui vont organiser la Coupe du Monde. Là. Pour moi, je crois que c'est très juste pour Argentine avec Uruguay organiser la Coupe du Monde. Là, on va besoin de mettre Chili, Paraguay. Il y a l'autre facteur qui est en train de compte que moi-même, forcément, peut-être pas maîtriser. Certainement, je ne pas maîtriser. Mais quand il y a là, Arabie Saoudite peut décliner et Coupe du Monde 2030 là. Aller en Arabie Saoudite, c'est légitime. Ou légitime Arabie Saoudite pour organiser Coupe du Monde. Alors, ce qu'on a un pays qui n'a bataille pour organisation Coupe du Monde là. Parce que ou vient un ambassadeur, ou ambassadeur pays, ou vient un imagine, et ou n'a raison pas de quoi. Exactement, moi-même, je ne pas quoi que Mbappé a fait choix Arabie Saoudite là, en plus quoi son marchandage qu'a fait. On pression additionnelle sur le joueur là. Parce que je pensais, sur le plan politique, Qatar pas d'accord pour un calotte ça dans l'Arabie Saoudite pour image li, qui c'est Mbappé, qui c'est image football européen. A dit, plus gros non jodi dans le football européen, dans le jodi dans le futur football mondial là, c'est Mbappé. On parle de ce qu'a fait jodi là en termes de poids, aura, marketing, futur football là, c'est Mbappé. Eh bien, Qatar pas jamais d'accord ça. Pour Arabie Saoudite, t'apprends, voilà. Kounye là. Dossier ça, c'est un dossier côté de plusieurs personnalités qui parlent. Moi, j'ai un meilleur paria qui parle, nous avons dit Hidalgo. Et puis, j'ai Luis Hernandez qui est ancien joueur Paris, qui est champion de Paris en 86, qui est champion de Paris en 94 comme entraîneur, qui est champion en 86 comme joueur,
équipe qui te gagne Jérôme Houye, qui te gagne Joël Batz, et équipe football qui te gagne Lucien Hernandez. D'ailleurs, Lucien Hernandez te fait partie de Croatia au niveau du milieu pour équipe la France là. Équipe qui te gagne et Platini, Lucien Hernandez, Alain Giresse et puis Jean Tigana. C'est ton Croatia. Giresse te compte jouer en Bordeaux. Bordeaux qui prend trois championnats dans la période ça, 84, 85 et puis 87. Avec Alain Giresse, bel milieu de terrain, bel joueur de football, qui fait plus que 150 goals pour l'équipe bordelaise, qui fait demi-finale Ligue des Champions en 1985. Il perd du 3-0 contre Juventus Vitien dans le match aller. Il bat 2-0 dans le match autour là. Et c'est Aimé Jacques qui a apporté l'équipe football. Ça, belle équipe qui a gagné Grenot Rock, qui a gagné Alain Giresse, belle équipe. On a parlé de Bordeaux. On n'a pas que l'escure à l'époque. Ou bien on est capable de dire Chaban Delmas. Maintenant, l'orga de Lucien Hernandez, Fernandez, son personnalité est respectée dans le pays de la France. Son monde le parler, il respecte le DAES et ancien entraîneur par lui qui a entraîné Ronaldinho. Maintenant, monsieur parle, monsieur dit que Mbappé est très affecté par la situation que l'a vivant de Paris Saint-Germain. Monsieur dit Mbappé pas comporté le bien, pas bien du tout. Monsieur pas dans le pôle parce que je dérangé par sa caprice de Paris Saint-Germain. Monsieur dit avec situation ça, pas de pièce ou pas bois que Mbappé a quitté. Équipe Paris Saint-Germain a parlé de et Luis Hernandez. Monsieur dit PSG a mis en pression volontaire sous Mbappé pour que le joueur lui-même lui décide de rester ou bien l'aller. Pour le capable de montrer que c'est lui-même qui est véritable patron. Monsieur dit avec comportement dirigeant Paris Saint-Germain, yo, certainement Mbappé lui-même n'est pas prêté parce que n'est pas bien, n'est pas aimé attitude dirigeant Paris Saint-Germain qui a fait une pression sur un joueur qui lui-même dit n'est pas signé un nouveau contrat en dans équipe football. Gagner meilleure équipe Paris Saint-Germain, on a parlé de madame Hidalgo. Eh bien Hidalgo lui-même lui dérangeait tout et pour sa cap privé et Mbappé a lui dit que M'pas qu'à comprendre à qui ça que PSG lui-même l'a joué sur le dossier Mbappé. Mbappé, c'est le meilleur joueur au monde là. Bon, ça qui sont menti. Bon, c'est joueur lui, français par il a toujours le meilleur joueur au monde, mais ça n'est pas vrai. Mbappé, c'est le meilleur joueur au monde là. Ma femme connaît que m'pas comprendre rien dans sa pari a fait là. Kylian, c'est un joueur extraordinaire. Faut que Paris Saint-Germain lui-même lui garder joueur là. Mais il faut que joueur lui-même ait une volonté pour le rester en dans le club là. Hidalgo dit lui-même, ce n'est pas un problème de rester Mbappé. Mais quand il est là, il faut que joueur lui-même ait une volonté. Il ne peut pas comprendre ce qui a passé dirigeant Paris Saint-Germain. Ça, c'est une déclaration à Hidalgo qui c'est meilleur Paris. Qui lui-même dit que Mbappé est un joueur qui est extraordinaire. Il a bien aimé que Mbappé lui-même ait été. Mais il y a un bagage qui est très important. C'est volonté joueur là pour dire est-ce que joueur dans le même la prêté, est-ce que joueur dans le même libre aller. Il dit il véritablement pas comprendre à qui ça Paris Saint-Germain lui même l'a joué dans cas Kylian Mbappé. Il y a quand même un silence qui veut dire un pile bagage du Real Madrid. Il me pensait que Pérez, si monsieur a une opportunité pour monsieur faire une autobiographie de lui-même, parce que il n'a plus aucun calotte que monsieur prend en ville. Bon, on dit plus aucun calotte que monsieur prend en ville, certainement c'est calotte Mbappé. Pérez généralement le Pérez besoin bagarre les joindre. Le Laldel. Pas oublier Real Madrid, TDS Zidane. Les joindre. Real Madrid TDS Ronaldo. Les joueurs. Real Madrid TD Figo. D'ailleurs, il y a une bagarre pour comprendre dans le cas Real Madrid là. M'a invité nous à regarder un documentaire. M'a changé de documentaire là non, mais il y a un rapport avec Real Madrid, son documentaire sur Pérez. Son documentaire qui strictement fait sous première fois que Pérez même est président équipe Real Madrid là, sous Figo. C'est Figo qui fait Pérez président Real. Pérez menait campagne électorale sur Figo.
Parce que pour qui ça Pérez mène une campagne électorale sous Figo? Figo est en fin de contrat avec Barcelone. Barcelone est en négociation avec Figo. Pérez lui-même servi avec campagne ça pour dire que rêve moi c'est pour mener les meilleurs joueurs du monde. Et Figo fait partie des meilleurs joueurs du monde. Pour qui ça pour me pas mener un joueur qui fait partie des meilleurs joueurs du monde dans l'équipe Real Madrid là. Et ma fait nous connaît un paquet de monde qui prend qui joue un gros comme dans campagne dans bataille ça. Donc yon monsieur créé Paulo Futre. Monsieur Futre, qui c'est gros joueur football, moi pensé que en 87 c'est monsieur qui t'a mérité ballon d'or 87 dans sous Goulit parce que l'autre Porto gagne Ligue des Champions. Hein? Goulit était très bon mais Goulit pas gagné plus gros compétition sous saison hein, avec équipe à l'époque. C'est PSG Eindhoven. Donc, moi, quand que Paulo Futre t'a mérité ballon d'or plus que Goulit en 87. Et bien, Paulo Futre t'a joué rôle intermédiaire pour Figo aller dans Real Madrid. Alors, regarde le documentaire ça sur Netflix. Et bien, Pérez prend un gros coup de bâton. C'est plus gros coup de bâton que Pérez prend en ville comme président club. Dossier Mbappé. Côté Real Madrid vient tourner un petit monde. Soit prend en tant qu'un monde. Nego vient tourner un petit monde. Mbappé, accord, et nèg yo al jouer sous parole que Mbappé ni même li te bay joueur yo et bay dirigeant yo sans pas gagner et yon zafè de accord verbal en disant accord signé parce que y a accord verbal là, y a accord signé. Un joueur qui gon accord verbal avec ou, il va écrit. Le fait que il va écrit, il capable retourner vers lui. Le fait que l'écrit signé, il va pas retourner même le pas d'accord, il est signé là, il est signature qui est là. Et bien quand Mbappé certainement le Real Madrid a fait toute folie. Real Madrid te gain accord verbal joueur là qui était bail Real Madrid accord lui. Et au final joueur là même il retourner vers lui. Certes moi toujours dit ça, Mbappé, Mbappé innocent dans signature là, mais Mbappé pas plus coupable, j'aime moi on série de monde a fait Mbappé passer comme plus coupable. Mbappé te gagne un paquet de pression politique, un paquet d'enjeux qui était là dans Mbappé. Hein? Donc, politique est rentré très fort dans la signature Mbappé avec Emmanuel Macron qui a convaincu Mbappé, qui a négocié avec Mbappé. Et nous ne savons pas qui ça dit. Il y a des bagailles, c'est 20 ans après ou bien 15 ans après, le joueur lui-même, il a le chita pour parler de ça que lui-même était vivre. Il est beaucoup plus calme pour parler de ça de TV. Et certainement, il y a des bagages que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons pas. Certainement, dans 10 ans, 15 ans après, il y a des bagages de ça. Là, il y a des bagages, mais tout ça, il y a des matraquages que nous avons joués pour le territoire de Paris Saint-Germain. Donc, ça, c'est même encore que l'a avons. Donc, lors de Real Madrid a un silence absolu dans les ça. Et son silence qui est extrêmement intelligent de la part du dirigeant Real Madrid. Parce que, un, Paris Saint-Germain, c'est à partir du 1er août, l'a capable lui-même pour une position clé sur quand Mbappé a. Parce que Paris Saint-Germain, beaucoup de gens me disent combien comme. Si l'a vendu Mbappé, l'a vendu Mbappé. Ça est pour mes bagages. Ça, c'est des rumeurs, etc. Mais, club là, en soi, pour qu'on baille, pour qu'on mette chiffre sous table là. L'autant des clubs Arabie Saoudite là, a baillé 300 millions d'euros, lui-même, c'est lui-même la baille. Comme lui, c'est 200 millions d'euros pour Mbappé, il même n'a pas 300 millions d'euros. Mais Paris Saint-Germain, club là, en soi, pour qu'on sorti communiqué, ou bien pour qu'on gagne un dirigeant Paris Saint-Germain qui dit, mais comme pour une équipe prend Mbappé. Et ça a commencé fait à partir du 1er août. C'est à partir du 1er août que normalement ça fait. Si, pas gagné en temps. Mais dans l'équipe Real Madrid, lui-même, il n'a pas pris un chat dans ma coupe, j'ai envie de dire. On voit que Real Madrid très passif dans Mercato. Real Madrid pas de pièces grosse pointure dans Mercato. Pas oublier on va peut-être nous mentir Jude Bellingham mon grosse pointure. Jude Bellingham son talent, son bon joueur qui peut véritablement confirmer. Nous connaissons joueur là, nous connaissons potentiel lui. Mais là on parle de grosse pointure, on parle de Mbappé. C'est Mbappé grosse pointure. Donc pourquoi pas aucun joueur qui dans Mercato ça qui vient dans Real Madrid qu'on capable parler de grosse pointure. Mbappé ou son grosse pointure. Et Real Madrid pari numéro 9. Ça, Liboyon, il déclare que Mbappé a lui-même Real Madrid, il gagne le coin tête lui. Et Paris Saint-Germain, la presse m'a fait mention, le journal de l'équipe fait mention que
équipe là lui-même dirigeant au conscient que joueur là lui-même il gon accord avec équipe Real Madrid, un accord verbal, mais c'est pour un accord signé, un accord verbal avec club là, lui-même il a mis pression pour joueur là lui-même lui publiquement signer un nouveau contrat avec Paris Saint-Germain. Donc moi-même moi remets silence Real Madrid là parce que là Real Madrid montre tout le monde connaît Real Madrid chaud sur le dossier, mais Real Madrid pas montré ça publiquement. Mais c'est moi-même ou même qui connaît ou la presse ou les fanatiques de football qui connaît que Perez a une obsession Mbappé. Mbappé a une obsession pour Real. Mais jusqu'à présent, Real Madrid fait silence sur le dossier. Donc, au dernier, leur posé Perez question autour de Mbappé. Perez dit, je suis calme. Moi, calme. Perez pas jamais dit mot pour mot. Parole Perez sur toujours codé. Il y a toute importance sur. Mon cheminement après ça. Il dit je suis calme, il dit calme sur le Mbappé. Et jusqu'à présent joueur là lui-même il pas prendre pression dans Paris Saint-Germain. Et la presse mentionnait que Mbappé a gagné un moment. Si Paris Saint-Germain décide d'écarter, il est capable de traîner Paris Saint-Germain la justice. Et hier, moi, t'as dit ça avec Oudi. Je crois que c'est Mbappé qui a perdu. C'est Paris Saint-Germain qui a perdu. Parmi les jours, Mbappé, c'est une personnalité mondialement reconnue. Mbappé a un impact mondial. Et dans le cas Mbappé, a, si vous prenez un joueur là, vous mettez le sous banc, ou bien vous mettez le à l'écart, pendant le pas blessé, même le Mbolo, j'y crois pas que des gens qui vont dire, ok, c'est moi qui paye ou, c'est moi qui paye ou, on a décidé, pas mettre, mais loi travail n'a pas dit ça. Loi travail n'a pas dit ça. Si que joueur là, lui-même, lui éligible pour le jouer, et vous décidez, mettez le à l'écart, alors que ça le pique qu'on fait à profession ou pas mal droit pour exercer profession, il a traîné la justice. Et pas n'a pas gagné si nous là. Mbappé a traîné Paris Saint-Germain la justice. Et sous prend syndicat joueur, il n'y a pas pour Paris. Et l'on parle de syndicat joueur, il n'y a pas pour Paris. Pourquoi Mbappé pour beaucoup, il n'y a pas gagné ça. Mbappé a un poids mondial. D'ailleurs, Mbappé, c'est un nèg qui mettait la France à genoux pour bagaille droit d'image. Mbappé révolutionné cette histoire de droit d'image dans la sélection française là. Il est obligé de faire le Gaillette, il est obligé de faire la Fédération française de football, repenser sur le droit d'image. Parce qu'aucun joueur français qui fait ça avant.